Hello, listeners and viewers. Welcome to Kaduna State Ministry of Education Radio and TV e-learning program designed for our SS3 and other students staying at home due to the coronavirus pandemic. The present administration, under the able leadership of His Excellency, Malam Nasir Ahmed El-Rufai, is positioned, as always, to ensure that under his leadership, our students are not left behind in all areas of human endeavors, especially education. Kaduna State is the center of learning. Therefore, we want to ensure that our students excel in their forthcoming examinations and beyond. Students and other learners at home are given this opportunity in order to continue learning, as education is a continuous process. Different subjects will be taught in this program to assist students to perform excellently in the forthcoming senior school certificates examination being conducted by NECO and WAEC as soon as schools reopen. Teachers making presentations will always provide their names and phone numbers during each presentation, and they can be contacted for questions, further explanations, and/or clarifications. The following numbers and contacts can also be reached for expression of any concern or observation: 090-865-00545 or 080-383-62072. Our website is www.education.kdsg.gov.ng. Our email, education@kdsg.gov.ng or education.kdsg@gmail.com. Our YouTube channel, Ministry of Education, Kaduna State. Our Twitter handle, @Kaduna_MOE. Or our Facebook page, Ministry of Education, Kaduna State. Stay safe, stay at home, and learn well. Thank you, happy listening and happy viewing. Chers apprenants, soyez la bienvenue à cette classe de télé ou bien à la classe de la radio. Nous sommes ici encore une fois pour vous enseigner le français. Le métier que nous allons traiter aujourd'hui, toujours, c'est le français. Et le sujet pour aujourd'hui, ou bien le sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est les adjectifs démonstratifs. En français, en anglais, ça veut dire a demonstrative adjective. Donc, en français ou en anglais, nous avons l'adjectif démonstratif. So, à cause de cela, nous allons discuter aujourd'hui les adjectifs démonstratifs français. Suivez-moi et sois attentif à ce que je vais vous enseigner maintenant. L'introduction. J'aimerais définir ce que c'est l'adjectif démonstratif. Ça veut dire quoi? Les adjectifs ou bien l'adjectif démonstratif français, c'est un mot qui est utilisé au lieu des articles pour indiquer un nom spécifique. Ça veut dire que nous allons utiliser l'adjectif démonstratif pour indiquer ou bien indiquer un nom spécifique. Et aussi en anglais, un adjectif démonstratif est un déterminant qui montre à un nom particulier. Ça veut dire indique un nom particulier. Vous spécifiez quel nom vous parlez. Il sert à montrer, à indiquer une personne, un animal, une chose. Ça veut dire que il nous montre une personne, un animal, une personne. En anglais, ce que je viens de dire, ça veut dire que
Demonstrative adjectives are used as pointers. They point at noun, object, or person. So we use them as pointers to things, object, animal, or person. That is what the demonstrative adjective does. L'adjectif a toujours la position. Où est la position? La position de l'adjectif démonstratif français, il est toujours placé ou bien il accompagne le nom. Toujours il accompagne le nom qui montre l'être et les objets dont on parle. L'adjectif possessif est toujours placé devant le nom. What I just said at the demonstrative adjective is always placed in front of the object or noun that is talking about. Il s'accorde en genre, en nombre avec le nom qui l'accompagne. Il se place toujours devant le nom. Comme je viens de dire, il est toujours placé devant le nom. It's always placed. Ici, il s'accorde en genre. It agrees in gender avec le nom qu'elle qualifie. Donc, en français, nous avons deux genres. Nous avons féminin et masculin. Voici ici au tableau les exemples des adjectifs démonstratifs français. Comme dans la leçon précédente, je vous ai dit que le français c'est une langue qui respecte le genre masculin et féminin. Nous avons masculin pluriel. Si le nom ou bien l'object est un objet masculin ou bien le nom masculin, l'adjectif démonstratif que vous allez utiliser ici soit doit s'accorder avec le nom. Pour masculin singulier, nous avons so. Répétez après moi afin de maîtriser comment de prononcer ce mot. Répétez après moi so. Ou bien c'est. J'ai traduit ça en anglais. Ça veut dire this or that. This or that. Féminine, singulière, sept. Répétez après moi, sept. Sept in English means this or that. Just as I told you that the French language respects gender. We have masculine gender and feminine gender, which in English is not much considered. En français, nous avons considéré ça bien. À cause de cela, lorsque vous écrivez ou vous parlez, vous devez considérer le genre pluriel. Nous avons C. Répétez après moi. C. C. C is a plural form of the masculine and feminine of so, say, et set. En anglais, c'est this ou bien those. Je comprends que maintenant, je crois que maintenant, vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer à vous. Attention. Devant un nom masculin, commencez par une voyelle ou bien H mouillé.
on doit écrire ce au lieu de so. Je viens d'expliquer ça à vous. Je dis que si le nom ou l'objet est masculin, vous devez utiliser l'adjectif en adjectif démonstratif. Mais il y en a certains mots en français qui commencent avec une voyelle ou bien avec un H muet. Donc à cause de cela, vous devez utiliser C. Ah, je vous donne des exemples avec ça. Numéro 1, cet oiseau. En anglais, ça veut dire this bird. This bird. Numéro 2, cette TV. This summer. Numéro 3, nous avons dans son sac, il y a un portefeuille. In this bag, there is a wallet. In this bag, there is a wallet. Voilà. So, il s'accorde avec le nom sac. Parce que le nom sac est un nom masculin. What I said that the demonstrative adjective so agrees with the noun sac. Because the noun sac is a masculine noun, this bag. Ce n'est pas la même chose en anglais, this bag. Il n'y a pas accord en genre ici. Mais en français, il y a un accord entre le nom et l'adjectif démonstratif. Numéro 4, 7. Ticket de bus est vieux. Ticket de bus est vieux. Nous avons étiquette. Ticket est un nom masculin. Masculin. Et est un adjectif démonstratif masculin. Donc, l'adjectif démonstratif masculin s'accorde avec le nom ticket. What I just said, the so, which is this ticket. The word ticket in French is a masculine word. It's a masculine noun. Therefore, we use the demonstrative adjective so, which is the demonstrative adjective masculine, it agrees with the noun that is qualifying there. Numéro 5, nous avons cette plage. Il y en a héros autographe ici. C'est EST à Miami. Cette plage est à Miami. Cette est un adjectif démonstratif féminin. Et plage, c'est un nom féminin. C'est à cause de cela que nous avons utilisé l'adjectif démonstratif féminin ici. But I just said that the demonstrative adjective set, which is this or that, it agrees with the noun. Which one is a noun? It is plage.
splash is beach. That the beach or this beach is at Miami. This beach is at Miami. Number six. C'est un inspecteur et intelligent. Cet inspecteur est intelligent. Voilà. C'est inspecteur. Comme je viens de dire que si un nom qui commence avec une voyelle, vous devez utiliser l'adjectif démonstratif C. Et aussi, il y a une liaison entre l'alphabet ou le son T et I. C'est un inspecteur et intelligent. Numéro 8. Cette femme s'appelle Madame Ngozi. Cette est femme. Qui est le nom? Ça, c'est la première question que vous devez poser. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, certains de vous ne pouvez pas distinguer ou différencier entre le verbe, l'adjectif démonstratif et le nom. Femme est un nom féminin. Et cette est un adjectif démonstratif. Donc, à cause de cela, l'adjectif démonstratif s'accorde avec le nom femme. What I just said here is that the first thing you are to do when you are using a demonstrative adjective, because some of you don't actually know a noun, French noun. And because of that, you don't even know if the noun is a feminine or masculine noun, you use the wrong demonstrative adjective to the noun that you're supposed to use the appropriate one. We are going to give you an assignment at the end of this lesson. À la fin de cette classe, je veux vous donner un devoir. À numéro 9, au numéro 8, elle porte ce taillot. Elle porte ce taillot. Taillot, c'est un nom masculin et ce, c'est un adjectif démonstratif. À numéro 9, ses couleurs sont noires. Ses couleurs sont noires. Donc, celui-ci est au pluriel. Parce que le nom couleur est au pluriel. C'est à cause de cela que nous avons utilisé l'adjectif démonstratif pluriel à cause du nom. What I just said that the demonstrative adjective is in plural form. Because of the noun is in plural form, it has the mark of plural, which is S. It's the same as this in plural form. THESE. Numéro 10, cette idée est intéressante. Cette idée est intéressante. C'est la même chose ici. Cette est l'adjectif démonstratif féminin. Et le nom ici, c'est idée. Idée, c'est un nom féminin. Numéro 11. Je veux parler à cette fille. Je veux parler à cette fille. Le nom ici, c'est fille. Et fille, c'est un nom féminin. Et l'adjectif cette est un l'adjectif féminin. La dernière exemple ici, c'est cette photo représente un nom. Cette photo représente un nom. Cette s'accorde avec le nom photo. Et photo, c'est un nom féminin. Ici, nous avons la forme
Renforcé de l'adjectif démonstratif. Ça, c'est pour l'emphase. Ici, on a fait l'emphase sur un nom qui est proche de nous, ou bien le nom ou l'objet qui est loin de nous. C'est à cause de cela, je dois vous donner un tableau ici, mais je vais expliquer ça à vous maintenant. On peut renforcer les formes simples en ajoutant « si » ou bien « là ». Parce qu'on a extrait ce mot du mot « ici ». Et en français, « ici », ça veut dire « here ». Quelque chose qui est proche de vous. Et pour « là », ça signifie que l'objet qui est loin de vous. Vous attachez ça, c'est une morpheme qui est attachée à le nom. Donc, voici des exemples ici. Cette maison-ci est grande. Cette maison-ci est grande. That is, this house. You are referring to something that is close to you. This house is big. When you are referring to this or that in French, you add the adverb here or there. Just what I said, ici in French means here is the attraction. We extracted the word or the morpheme si from the word, from the adverb ici, and we attach it, nous attacher ça au nom. That means that this house is big or large. Un autre exemple ici, cette maison-là est petite. Cette maison-là est petite. Voici, means this house there, comme je viens d'expliquer à vous que l'adjectif démonstratif montre à nous les choses et les objets qui sont proches de nous ou loin de nous. Il fait beau ces jours-ci. Il fait beau ces jours-ci. It is, weather is okay this day. Théoriquement, ici, désigne un objectif proche. Tandis que là, désigne un objectif plus éloigné dans l'espace ou dans le temps, comme je viens de dire, je viens d'expliquer ça à vous. J'aime bien cette maison-ci. On peut utiliser aussi la forme renforcée pour créer une cimenterie entre deux choses. Entre deux choses. Pour distinguer entre deux choses qui sont peut-être proches de vous ou loin de vous. J'aime cette maison-ci. Cette maison-ci. I like this house. Mais je préfère cette maison-là. Je préfère cette maison-là. Ici et proche de moi, ici, cette maison-là que je préfère, il est loin de moi. What I just said is that I like this house, which is close to me, and then I prefer that one that is far away. So we use this. J'aime bien cette maison là, mais je préfère cette maison ci. J'aime cette maison là. I like that house, mais je préfère cette maison ci. But I prefer this one. Cet homme-ci est mon père. Cet homme-ci est mon père. Cet homme-ci est son père. Donc, cet homme-ci, this man. Homme in French is man. Cet homme-ci, this man, is his father. Ces enfants-là sont ses enfants. These children, those children are his children.
Ce professeur-là estime pas. This teacher, oh sorry, that teacher there is nice. Cette étudiante-ci comprend. This student understand. This student understand. That is what we mean by cet étudiant-ci. We know that étudiant is student, isn't it? Donc, ça c'est la fin d'explication. Je viens d'expliquer à vous comment l'adjectif possessif français fonctionne dans des phrases. C'est pas la même chose avec les adjectifs démonstratifs d'anglais. Le devoir assignment, I have an assignment for you here that you go home and do it. Choisissez l'option correcte pour remplacer les vites suivantes avec les adjectifs démonstratifs corrects. Je répète. Choisissez l'option correcte pour remplir les vites suivantes avec les adjectifs démonstratifs corrects. Méfiez-vous ce que vous allez ce que je espère de vous de faire ici. Vous avez choisi parmi les options que je vais vous donner. Vous avez remplacé les vides. La première chose que vous devez faire ici pour identifier le nom. Et vous devez vous demander. Le nom est un nom masculin ou bien est un nom féminin. C'est à cause de cela que vous choisissez l'option juste afin de remplir de vides. Baraki ferme dashboard. S'il te plaît. Baraki ferme dashboard. S'il te plaît. Choisissez parmi les options C. Sur cette C. 3. Dash façon de faire les choses ne me plaît pas. Parmi les options, nous avons sur cette S. On a doublé le S là. Peut-être c'est pluriel. Numéro 4. Où as-tu pris? Dash photo. Sur C, 7, C, 7. Numéro 5. Das station de sport d'hiver sur C77. Ça, c'est la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Je crois que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer. Mais avant de quitter, ici, voici mon numéro portable ici au tableau. Toujours mon nom est Monsieur Waziri Titus. Mon numéro portable sont 08063175958. In English, 07063175956. Le deuxième numéro c'est 08 1 2 1 4 6 4 2 0 8 8 8 8. Toujours, j'aimerais vous conseiller un peu. Vous savez la condition ou la situation que nous nous trouvons. Nous sommes dans la saison de Corona. Restez chez vous, s'il vous plaît. Corona est véritable. Restez protégés. Continuez d'apprendre. Merci pour votre attention. Nous allons rencontrer à la leçon prochaine. Je vous souhaite bonne journée.